Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Je reviens cette semaine avec une petite vidéo sur un sujet que je n'ai vu mentionné nulle part sur YouTube, aussi bien français que anglais, et j'ai cherché un peu, concernant le buff monumental que les vaisseaux QED ont pris concernant leur vitesse maximum en jeu. À croire que le Mantis et le Cutlass Blue, les deux seuls vaisseaux actuellement équipés de QED et à la base prévus pour les Bounty Hunters, n'intéressent vraiment personne d'autre que les pirates. Il est vrai que les Bounty Hunters, ça chasse les PNJ qui n'ont pas le mauvais goût de vouloir s'enfuir dès qu'on leur tire dessus. C'est quand même bien pratique. Non, je déconne. Respect aux Bounty Hunters PVP qui chassent en groupe. Les pauvres sont même plus rares que les pirates, ils gagnent encore moins et ils attendent toujours que leur gameplay soit implémenté. Dans tous les cas, le vaisseau QED est la pierre angulaire d'une attaque de piraterie. Il est simplement nécessaire pour empêcher votre cible de s'échapper simplement en faisant un saut quantum, et ça le rend donc primordial. Du coup, chaque buff ou nerf sur l'un de ces deux vaisseaux est d'importance capitale pour nous, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Puis je vous dirai dans un second temps ce que j'en pense, et malgré le fait que je sois un pirate et que donc tous les buffs qui touchent les QED devraient en principe me réjouir, je vous expliquerai pourquoi ça n'est pas tout à fait le cas, et pourquoi je pense que ce buff n'était pas nécessaire, voire même malvenu. Allez, on est parti. Alors, en premier, en quoi consiste numériquement ce buff dont je parle? Eh bien, il est assez simple puisqu'il concerne uniquement la vitesse maximum. Aucune autre caractéristique de vol n'ont été modifiées pour ces deux vaisseaux. À l'heure actuelle, sur les serveurs live de la 3.17.5, la vitesse maximum du Mantis est de 1220 mètres par seconde, et celle du Cutlass Blue de 1210 mètres par seconde. Par contre, si vous allez sur les serveurs PTU qui hébergent la 3.18, vous verrez que la vitesse maximum du Mantis est passée à 1320 mètres par seconde, et celle du Cutlass Blue à 1300 mètres par seconde. Les deux vaisseaux ont gagné quasiment 100 mètres par seconde supplémentaires, et vous seriez tenté de me dire que cela a l'air complètement dérisoire. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout, si l'on ne considère pas la chose sous l'angle de la vitesse nominale, mais dès que l'on commence les comparaisons avec les vitesses maximales des autres vaisseaux. En effet, la vitesse maximale est importante, surtout si l'on considère que 90% des attaques de piraterie terminent par une course-poursuite où la cible part dans une direction à pleine vitesse, en pensant qu'il s'agit d'un facteur qui peut être déterminant pour réussir à s'échapper. Les autres 9% du temps, la cible se retourne et engage le combat, et enfin dans 1% des cas de figure, elle est accompagnée de tireurs en tourelle ou même de vaisseaux d'escorte, et les choses se compliquent. Mais cette éventualité est rarissime, si ce n'est légendaire. Pour synthétiser, les vaisseaux QED étaient donc jusque-là plus rapides que la quasi-totalité des vaisseaux industriels qui étaient leur cible, légèrement moins rapides que la plupart des chasseurs pouvant servir d'escorte tout en restant presque à égalité, et beaucoup moins rapides que les intercepteurs comme le Buccaneer ou les Avengers Stalker et Warlock. Moins rapide aussi que certains vaisseaux cibles comme le Mercury Star Runner ou enfin le Karak, qui est tout simplement une aberration, que CIG semble têtu à ne jamais vouloir prendre la peine de corriger. Bref, avec ces changements en 3.18, le Mantis et le Cutlass Blue se déplacent donc tous les deux dans cette hiérarchie et dépassent presque tout le monde en atteignant des vitesses comparables, bien que sans non plus les dépasser, aux intercepteurs. Diable, pourquoi faire ? Selon moi, encore un de ces équilibrages à la truelle dont CIG a démontré maintes fois qu'ils avaient le secret, qui sort d'on ne sait où et qui n'est bien évidemment pas mentionné dans les patch notes, qui surtout ne résout absolument aucun problème, mais qui naturellement a toutes les chances de créer une pléthore de complications contre-productives et difficiles à entrevoir à long et moyen terme. Et c'est ce que je vais maintenant essayer de vous montrer. Donc, ce buff sort réellement de nulle part, mais alors vraiment de nulle part, car personne ne s'y attendait et surtout personne n'avait rien demandé. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu aucun problème avec la vitesse maximum des vaisseaux QED.
Jusque-là, concernant ces deux vaisseaux, tout allait bien, rien à modifier. Pour ce qui est du Cutlass Blue, il a toujours été plus que capable de rattraper l'écrasante majorité de ses cibles, qu'il s'agisse de gros vaisseaux comme le Caterpillar ou le C2, ou bien même plus petits comme les autres variantes de Cutlass et les Freelancers. Et nombreuses sont les attaques de piraterie auxquelles nous procédons avec Mongrel Squad, où il est notre seul et unique QED. Pas besoin d'un Mantis en soutien si on sait se servir correctement d'un Cutlass Blue. A la rigueur, si on parle d'un buff pour lui, je dirais augmenter le rayon de la bulle de son dampener à 3 km pour qu'il ne soit pas obligé de autant coller derrière le cul de sa cible. Mais je pense qu'il s'agirait d'une erreur aussi, car cela irait à l'encontre du principe même du dampener qui signifie faire une interdiction QED tout en étant forcé de se mettre en danger, car le dampener nécessite que l'on maintienne avec sa cible la distance de combat. C'est vraiment le dernier vaisseau du jeu qui nécessitait un buff, car le Cutlass Blue est tout simplement le meilleur vaisseau de piraterie. Point. En combat, il dispose d'une puissance de feu correcte et il tanque raisonnablement. En poursuite, il a toujours été plus rapide et plus maniable que ses cibles, sauf pour le C2, une autre aberration de CIG. Il est équipé de composants de taille 2 et entre autres pour son Quantum Drive, ce qui lui permet de se repositionner très rapidement. Il possède une petite soute et la capacité d'emporter une équipe d'abordage. Enfin, bien que sa signature radar soit importante, il bénéficie d'une bonne réputation qui ne le classe pas dans les vaisseaux de pirates et qui généralement contrebalance, c'est-à-dire que la cible va sûrement vous détecter, mais souvent elle ne se méfiera pas d'un Cutlass Blue. Bref, rien acheté. Maintenant, pour passer au Mantis, il est plus rapide que le Cutlass Blue de base, et là non plus, sa vitesse maximale n'a jamais été un souci. Mieux encore, il est équipé du snare, ce qui lui permet de tenir piégé un vaisseau cible jusqu'à une distance de 20 km, et donc de non seulement rester hors de portée des canons de sa cible, mais aussi hors de portée de ses missiles. Même des vaisseaux plus rapides que lui, comme le MSR, peuvent avoir besoin de plusieurs minutes pour sortir de la bulle du snare et peuvent donc être attaqués et piratés dans l'intervalle. L'un des seuls moyens de s'échapper pour quelqu'un piégé dans un snare, s'il n'est pas plus rapide, est d'avoir recours à une escorte qui engage le Mantis mal armé et peu protégé. Mais avec le buff qu'il vient de prendre en vitesse pure, d'une part, vous pouvez oublier totalement le fait de le distancer, mais aussi, engager une escorte pour contrer un Mantis n'est même plus possible, parce qu'il va tout simplement tourner autour de sa cible à vitesse max, tout en restant à portée de snare, et plus aucun vaisseau ne sera capable de le rattraper. Lol. Si l'on parle de piraterie donc, jusque-là, seuls le Mercury Star Runner, le Hercules et le Karak étaient capables de potentiellement échapper à un Cutlass Blue, et pas si facilement à un Mantis. En ce qui concerne le MSR, ça n'était pas un problème, car c'est malgré tout son rôle. Il s'agit d'un blockade runner sans grande protection ni puissance de feu pour sa taille, comparé aux vaisseaux de sa catégorie, comme le Constellation ou le Corsair, et ne comptant donc que sur sa vitesse maximale pour désengager le combat. Il vient donc de se voir enlever cet unique avantage qui lui donnait un quelconque intérêt. Un avantage d'ailleurs qui n'était pas absolument cheaté comme on pourrait le croire, et nous avons démontré de nombreuses fois dans des vidéos que simplement mettre les gaz avec un MSR ne suffit souvent pas toujours à s'en sortir, car ce vaisseau possède de nombreuses autres faiblesses qui peuvent être mises à profit pour l'attaquer et le pirater avec succès. Maintenant, si on parle de certains vaisseaux qui posent réellement problème, il y a évidemment le Hercules, pour qui ça n'est pas vraiment la vitesse maximale, mais plutôt la maniabilité qui est un souci. Les vaisseaux Crusaders sont réputés pour leur vitesse, soit, et le Hercules n'a pas à rougir sur ce point. Mais cette brique volante de 3000 tonnes est simplement capable de faire des acrobaties, même chargées à plein, que la plupart des vaisseaux qui font un dixième de son poids, comme le Cutlass Blue, ne peuvent tout simplement pas faire, et ce aussi bien dans l'espace que en atmosphère. Et évidemment sans aucune raison très claire de CIG. C'est juste comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, pour finir avec les vaisseaux à problème, et en revenir avec l'équilibrage des vitesses maximales, il y a le Karak. Celui-là est carrément à part. Le Karak a depuis sa sortie bénéficié d'une vitesse maximale proprement hallucinante, une vitesse que rien ne vient expliquer par ailleurs. Le Karak est un mastodonte de 4000 tonnes, dont la description du lore n'indique nulle part qu'il est particulièrement rapide. En fait, elle dit qu'il est légèrement blindé, ce qui devrait donc aller à l'encontre d'une vitesse élevée.
Pour vous le situer clairement, sa vitesse max est actuellement de 1236 mètres par seconde, ce qui équivaut au mètre près à la vitesse des chasseurs monoplaces légers de 50 et 30 tonnes que sont le Gladius et le Arrow, 100 fois plus petit. Une vitesse qui, à la différence du MSR, rien ne vient contrebalancer, puisqu'il est aussi capable de tanker autant qu'un Hammerhead avec deux boucliers de taille 3. Certes, le pilote ne dispose pas d'armes, mais il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre les gaz, attendre 10 minutes au maximum s'il est piégé dans un snare, et il pourra en fin de compte s'enfuir. Somme toute, pas grand chose de plus compliqué que pour contrer une interception de PNJ. Ça prendra juste peut-être un peu plus de temps. Et voilà donc en résumé la situation. Mais évidemment, CIG a décidé de prendre le problème à l'envers, pour changer. Si quelque chose nécessitait un ajustement, ça n'était certainement pas la vitesse maximale du Mantis ou du Cutlass Blue, mais plutôt celle du Karak ou la maniabilité du Hercules, qui dans un cas comme dans l'autre n'ont aucune sorte de raison d'être là, et à propos desquels des joueurs se plaignent maintenant depuis des mois, mais qui évidemment restent pour l'instant et à jamais inchangés. Permettre aux deux vaisseaux QED de pouvoir s'échapper trop facilement lorsqu'ils font face à des poursuivants est selon moi une grosse erreur. J'ai beau être un pirate, vous savez certainement que je me fais régulièrement l'avocat de l'utilisation pour nos cibles d'escorte pour se défendre et pour nous opposer un challenge. Avec ce nouveau changement, ça n'est encore pas demain la veille que l'on va voir les mineurs, traders et maintenant salvagers embaucher des combattants pour les défendre contre les pirates. A la rigueur, contre un Cutlass Blue, les pirates, s'ils sont malmenés, s'enfuiront tout simplement en laissant sur place l'escorte, et la cible libre de faire un saut. Mais pour ce qui est du Mantis, aucune chance de ce côté-là de réussir à le rattraper pour l'engager et contrer le snare. C'est donc un buff qui donne un gros avantage à ces vaisseaux sans qu'ils en aient jamais eu besoin et sans aucune contrepartie. Zéro pointé, CIG, vous repasserez votre copie. Et voilà donc pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos opinions sur le sujet car il m'intéresse, et ce quel que soit le côté de la barrière de la piraterie où vous vous trouvez. Néanmoins, inutile de me dire, car je le sais déjà, que le nouveau système de Master Mode remettra à plat, on l'espère, toutes les vitesses de tous les vaisseaux, et que si les astres sont alignés, nous l'aurons peut-être bientôt. Vous savez que je ne m'intéresse presque exclusivement seulement à ce que nous avons maintenant en jeu, sans trop me perdre dans les méandres de la spéculation, donc on parlera des Master Modes avec plaisir, mais seulement quand ils seront là et que nous serons fixés sur ce qu'ils changent et sur ce qu'ils ne changent pas. Avant de finir, mettez-moi un pouce si la vidéo vous a plu, faites un partage si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres et abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez plus. J'en profite aussi pour remercier mes tipeurs, auxquels je rajoute mes abonnés Twitch, et ceux qui me font des super thanks sur YouTube. Bref, ceux qui me soutiennent financièrement. Merci à vous tous, ça fait chaud au cœur et cela aide à continuer. Pour finir, on se retrouve ce week-end en live sur Twitch et la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur YouTube et sur Star Citizen, avec, je vous l'annonce, un grand retour de piraterie avec The Mongrel Squad. J'ai enfin un nouvel épisode dans les tuyaux pour vendredi prochain, mais en attendant, je vous souhaite bonne chasse et je vous dis à bientôt. Ciao !